Or, le rapport que Monet entretient avec le temps, eh bien, on peut l'associer directement avec la lumière. Il est tellement préoccupé que par cela que, en effet, le temps de Monet ne peut pas être le temps d'une horloge. Ça ne peut pas être un temps chronologique. C'est forcément un temps qui s'éclaire et qui, presque pourrait-on dire, respire. C'est le temps du présent. Il n'y a que du présent. Donc je crois que le temps chez Monet est ce que je dirais un temps strictement poétique.